Sciatus striatus. Sciate striée. Non comestible. Carpophore d'abord en forme d'un verre ou d'une coupe évasée. D'une hauteur de 5 à 15 mm. D'abord obturé d'une membrane blanchâtre, se déchirant avec l'âge, comme vous le remarquerez plus tard. Face interne nettement striée à cannelée radialement, et de couleur d'abord blanc, puis grisâtre, à brunâtre pâle, avec un aspect luisant. Face externe hirsute, c'est-à-dire recouvert de petits poils, comme vous le constatez. De couleur gris roussâtre, puis brun rouille à brunâtre. Le pied est pratiquement inexistant. Dans le prolongement du carpophore, hérissé aussi de petits poils de même couleur que le reste du champignon. L'ensemble est accroché à son support. L'intérieur du carpophore, ouvert, laisse entrevoir un certain nombre de petits sacs ressemblant à des œufs, appelés péridioles. Parfois jusqu'à 15, de 1 à 2 mm. De couleur d'abord blanc, puis grisâtre, prolongé d'un filament tel des radicelles, assez longues, accrochées à la paroi interne. Chair mince et coriace, de couleur d'abord blanche, puis grise brunâtre avec l'âge. Odeur faible, très légèrement terreuse à fongique. Saveur nulle. Saison du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne. Habitat, principalement sur souche, tronc et débris de végétaux, de feuillus et de conifères. Enfoui ou non sous la terre et parfois recouvert de mousse. Apparemment, un petit ver a élu domicile sur cette sciate. Confusion possible avec Sciatus ola, voir la vidéo correspondante. Ou Crucibulum live, à surface extérieure claire. Ce champignon est assez courant mais difficilement visible. Il passe souvent inaperçu et pourtant il vaut le détour par sa forme et sa ressemblance à un petit nid rempli d'œufs. Sciatus striatus, appelé aussi nid d'oiseau, se développe en groupe de plusieurs individus, parfois très nombreux et serrés, très rarement isolés. Comme vous le remarquez sur ce film. La sciate striée est considérée comme non comestible car de faible consistance et coriace, donc sans intérêt culinaire. Mais elle vaut le détour. C'est un champignon très original et mérite qu'on s'y attarde un peu. Voici chez Sport. Thank you.
Beep, 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 beep.